السلام عليكم ومرحبا بكم، أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. إذا كنتم جدد في القناة شجعونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس و لايك إن أعجبكم الفيديو. نبدأ على بركة الله مع تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا 2019 شعبة العلوم الاقتصادية، ومع المسألة واللي كانت تنقيد ديالها على 12 نقطة. نبدأ بالجزء الأول، لا بارتي اون. On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur R par g de x égale à exponentielle x moins x. Première question, calculer g' de x pour tout x de R. Donc, on commence par la première question. G de x égale à l'exponentielle x moins x. Donc, g est une fonction continue et dérivable sur R. Donc, g est continue et dérivable sur R comme somme de deux fonctions continue et dérivable. Alors, pour tout x appartient à R, g' de x égale. Donc, on a le niveau de calcul, le niveau des élèves, les médailles de l'étape a dit, machin mouchkid, ce n'est pas grave, puisque on a montré que g est dérivable. Et donc, derrière le facultatif, un terme ou bachar, c'est pour tout x appartient à R, g' de x égale, exponentielle x moins x de tout prime. Dérivé de l'exponentielle, c'est le même, c'est exponentielle x. Dérivé de l moins x, c'est moins 1. Alors, d'abord, c'est maintenant g' de x. La deuxième question, étudier le signe de g' sur R. Donc, petit a, le signe de g' de x sur R. Sur R. Il y a un chose qui est exponentielle x moins 1. Donc, exponentielle x moins 1 égale à 0. Équivalent à exponentielle x égale à 1, équivalent x égale à ln de 1, équivalent x égale à 0. Alors, si x supérieur ou égal à 0, ça implique que l'exponentielle x supérieur ou égal à exponentielle 0, ça implique que l'exponentielle x supérieur ou égal à 1, ça implique que l'exponentielle x moins 1 est positif. Le cas contraire, si x inférieur ou égal à 0, ça implique que l'exponentielle x est inférieur à l'exponentielle 0, ça implique que l'exponentielle de x moins 1 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. Alors, on résume les résultats précédents dans un tableau, qui est le tableau de g' de x moins l'infini, 0. Donc on a ici g' de x, il s'annule en 0. Ici plus l'infini. Pour les valeurs qui sont supérieures ou égales à 0, alors ici il est positif, g'. Et pour les x qui sont inférieurs à 0, alors g' de x il est négatif. Pour la deuxième question, petit b, calculer g0 et dresser le tableau de variation de g. Le calcul des limites au bord n'est pas demandé. Alors on calcule g0. On a, c'est un résumé de ce qui précède. On a les médailles de tableau machi mouchki. Les HTNOM, déjà, ils ont étudié le signe de F' par disjonction des cas. Donc, on a G de 0 égale à l'exponentielle 0 moins 0, donc égale à 1. Puisque l'exponentielle de x moins x, il y a g de x. Donc g de 0, c'est exponentielle 0 moins 0 égale à 1. Alors, puis il nous demande de donner le tableau de variation de g. Donc pour le tableau de variation de g, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est ça le domaine de définition. Nous avons dit que
au point zéro, c'est un point qui est important puisque g de 0 égale à 1. La fonction elle est décroissante sur moins l'infini 0 puisque g prime est négative, pardon. Alors ici, elle est décroissante pour g de 0 égale à 1. Et elle est croissante sur 0 plus infini. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction g. Alors, la question, ou la dernière question, on déduire que pour tout x de R, g de x supérieur ou égal à 1. Donc, 2 petit c. Donc, puisque 1 est une valeur minimale, donc, on a deux méthodes. La première méthode, on a pour x supérieur ou égal à 0, on a f, on a f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, g de x supérieur ou égal à g de 0. D'où g de x supérieur ou égal à 1, puisque g de 0 égale à 1. Et deuxième cas, pour x inférieur ou égal à 0, on a f est décroissante sur moins l'infini 0. Alors, g de x est supérieur ou égal à g de 0. On a inversé ou l'ordre. On a g croissante, pardon, on a f, mais plutôt g. G, n'ayant. Donc, on a g. C'est ce on a g. Voilà. Alors, g de x supérieur ou égal à g de 0. D'où g de x supérieur ou égal à 1. Donc, conclusion. Pour tout x appartient à R, g de x supérieur ou égal à 1. La deuxième méthode est le tableau, on dit que 1 est une valeur minimale. Alors, g de x supérieur ou égal à 1. Mais je préfère de la première méthode de disjonction des cas. Donc, c'est la première partie. Nous allons, Inch'Allah, faire la deuxième partie, faire la vidéo.